C'est de pouvoir transmettre une passion et un savoir-faire et de former également un collaborateur à fort potentiel. Alors moi j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'il soit MOPAC, c'est-à-dire motivé, organisé, polyvalent, autonome, collectif. Alors pour rester dans la même dynamique, je vais dire qu'il faut qu'il soit ERAM, c'est-à-dire qu'il écoute, qu'il regarde, qu'il agit avec méthode. Oui, par exemple, moi-même, je viens de l'apprentissage que j'ai fait dans les années 90. J'ai repris l'affaire familiale en 2004 et de là, également, j'ai un collaborateur à mes côtés qui vient depuis 2004 de l'apprentissage également.